Je vais vous entraîner aujourd'hui, chers téléspectateurs, vers des horizons un peu exotiques, puisqu'il s'agit de la péninsule arabique. Je me propose en effet de vous parler du wahhabisme, cette branche de l'islam qui fait l'actualité de la manière que l'on sait, qui est généralement tout à fait méconnue, que l'on a découverte un petit peu à la faveur de la naissance du terrorisme islamique et à la faveur de ses derniers exploits. Mais je voudrais préciser un petit peu, en me replaçant dans la longue durée historique, d'où vient cette tendance de l'islam, quelle est sa signification et quelle est sa relation avec la monarchie saoudienne. Alors l'Arabie dont nous allons parler, c'est cette espèce d'immense péninsule qui fait 2 millions de kilomètres carrés et qui est occupée essentiellement par d'immenses déserts, d'immensités vides ponctuées de quelques oasis. Cette Arabie qui est à l'intérieur de la péninsule, elle est assez différente de l'Arabia Felix, l'Arabie heureuse qui correspond au Yémen, voire de la côte du Hedjaz qui est la côte de la péninsule arabique donnant sur la mer Rouge, hein, cette région du Hedjaz où se trouvent les villes saintes musulmanes de la Mecque et de Médine. Hein. Par ailleurs, dans l'intérieur, les déserts de la Dana, du Nejd, du Rub al-Khali, ce sont des milieux extrêmement hostiles, très peu peuplés, qui sont restés pratiquement totalement hors de l'histoire jusqu'au XVIIIe siècle. C'est à cette époque, en effet, que l'on va voir naître en Arabie centrale, dans l'oasis d'Ayaïna, un personnage qui va être à l'origine de ce que l'on va appeler le wahhabisme. Il s'agit de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, hein, qui est petit-fils d'un théologien réputé, un jeune garçon qui brille très tôt par son intelligence, qui manifeste une ferveur religieuse également tout à fait remarquable. Et ce jeune garçon, eh bien, il va voyager dans l'espace musulman, il va se rendre bien entendu à la Mecque, à Médine bien sûr, mais on va le retrouver également en Irak, à Bassora, à Bagdad. Il va aller jusqu'en Perse, à Ispahan. Autant dire qu'il va être au contact de l'autre branche de l'islam que l'on connaît bien aujourd'hui, qui est l'islam chiite, hein, qui est dominant en Irak et puis bien sûr qui est la religion officielle dans l'Empire perse à cette époque-là. Alors, ce jeune homme, qui donc est rapidement féru de théologie, il va adhérer à l'école juridico-théologique que l'on appelle l'école Hanbalite. On le sait, l'islam sunnite se partage entre quatre écoles juridico-théologiques en quelque sorte reconnues ou officielles, hein, l'école Hanéfite, l'école Shaféite, l'école Malékite et enfin l'école Hanbalite. Elle tire son nom d'un théologien du 9e siècle qui s'appelle Ahmed ibn Hanbal. Et cette école, elle se caractérise par une interprétation fondamentaliste, littérale, du Coran et de la tradition musulmane. Hein. C'est la différence avec des écoles comme l'école Hanéfite ou l'école Shaféite qui donnent beaucoup plus d'importance à l'interprétation, à l'analogie pour savoir ce qu'est le message du prophète ou le message du Coran. Cette école Hanbalite, elle a été relayée au XIVe siècle par un docteur Damascène, Ibn Taymiyyah, qui a en quelque sorte actualisé tout son discours, tout son message, et c'est à cette école donc que va se rattacher Abdul Wahhab au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. C'est une école, il faut le préciser, qui est tout à fait minoritaire dans l'espace islamique à l'époque et qu'il l'est encore même aujourd'hui, hein, par rapport aux grandes masses que recrute le malékisme en Afrique du Nord, l'anéfisme en Turquie, en Asie mineure, le chaféisme dans l'islam du subcontinent indien ou dans l'islam indonésien. L'école Hanbalite a toujours été minoritaire. Elle est favorable à une purification
purification radicale de la pratique religieuse. Elle dénonce la corruption des oulémas, hein, ces sages musulmans qui constituaient en collège interprètes le Coran et la tradition. Eh bien, Abdul Wahhab va dénoncer justement ces oulémas en considérant qu'ils sont corrompus, mais son rejet est encore plus fort de celui qui est prétendument à l'époque le commandeur des croyants, c'est-à-dire le sultan ottoman. Les Ottomans ont bâti l'empire que l'on sait, et au XVIe siècle, quand ils ont mis la main sur le Proche-Orient arabe, eh bien, le sultan ottoman s'est proclamé commandeur des croyants et va le rester jusqu'à la chute de l'Empire ottoman à la faveur de la Première Guerre mondiale. Alors, ce personnage, ben, il vit avec une cour, et on considère qu'il est lui aussi tout à fait corrompu, qu'il mène une vie indigne pour quelqu'un qui a des prétentions religieuses comme celle-là. Donc ce Abdul Wahhab, il est le tenant d'un fondamentalisme religieux tout à fait radical. Alors on a interprété aussi ce Wahhabi, c'est intéressant de le signaler, dès cette époque-là, comme une réaction nationale arabe contre la domination turque. L'Empire ottoman, la majeure partie de ses territoires, est peuplé d'Arabes. Et dès le 18e et surtout au 19e siècle, il va y avoir une renaissance en quelque sorte nationale arabe, la Nada selon la formule consacrée, qui va mettre en cause la domination turque, la domination ottomane. Beaucoup de nationalistes arabes au 19e siècle vont souhaiter en finir avec ce qu'ils appellent la nuit ottomane. Et certains aujourd'hui considèrent que la contestation wahhabite qui apparaît au 18e, c'est un peu quelque chose qui précède, qui annonce ce réveil arabe qui va venir au 19e siècle, notamment après le choc qu'a constitué pour le monde arabe l'expédition d'Égypte de Bonaparte qui a engendré tout un ensemble de questions, de prises de conscience, d'émergence d'un sentiment national spécifique. En tout cas, ces wahhabites, donc je l'ai dit, ils sont extrêmement rigoureux sur le plan religieux, farouchement hostiles au polythéisme sous toutes ses formes, hostile à la vénération des tombeaux, au culte des saints, hostile à toute forme de superstition, hostile au mysticisme représenté par exemple par les soufis, et très hostile surtout aux chiites, les chiites qui sont considérés comme des ennemis prioritaires. Il n'est pas question en quoi que ce soit d'accepter quelques compromis avec cette branche dissidente de l'islam. Il faut au contraire restaurer la charia, la loi coranique dans sa forme originelle, purifier l'islam par rapport à toutes les superstitions jugées païennes. Voilà en gros comment on pourrait résumer le message doctrinal de ce qui va devenir le wahhabisme. Seulement, cette vision de l'islam, si elle est le fait d'un simple docteur, d'un simple théologien, ça ne va pas changer grand-chose. Il lui faut un bras armé pour réussir à s'imposer. Et ce bras armé, eh bien, Abdul Wahhab, qui est revenu dans son oasis d'origine, dans son village d'origine, dès 1749, Abdul Wahhab va le trouver en scellant une alliance avec un chef local, Mohamed Ibn Saoud, qui est le prince de Daria, une oasis voisine, au cœur du désert du Nejd, dans le centre de la péninsule arabique. Et cette alliance avec Mohamed Ibn Saoud, elle va durer, elle ne se démentira jamais. Et celui-ci est un chef de guerre valeureux. Il va entraîner derrière lui un certain nombre de combattants pour partir à la conquête de territoire où il s'agira d'appliquer justement la vision de l'islam que porte Abdul Wahhab. C'est ainsi que Saoud va s'emparer de Riyad en 1764,
un an avant sa mort. Lui succède son fils Abdelaziz, qui va être le grand souverain fondateur de la dynastie dans une large mesure. Hein. Abdelaziz qui va déjà désigner son fils Saoud dès 1788 pour lui succéder. Il y a une volonté de continuité. Et tout cela avec l'accord d'Abdul Wahhab, qui apparaît comme le chef spirituel de toute cette communauté, jusqu'à sa mort, qui surviendra très tard, en 1792. Hein, il est au moins octogénaire ou nonagénaire quand il disparaît, Abdul Wahhab. Hein. Abdelaziz, lui, eh bien, va continuer l'entreprise qui a été engagée à l'appel de ce sage musulman. Il va bâtir un État théocratique, centralisé, autoritaire, hein, et un État tourné vers la conquête, si possible, de l'ensemble de la péninsule arabique. En 1794, il s'empare du Hassa, c'est la région qui jouxte le golfe Persique. Hein. Il va pousser déjà des premières incursions dans le Hedjaz, en direction des villes saintes musulmanes. En 1802, en mars 1802, eh bien, il s'empare de Kerbala, en Irak. Kerbala, c'est une des villes saintes des chiites. Hein. C'est là qu'a eu lieu le martyr d'Hussein. Dans la tradition chiite, c'est un lieu tout à fait fondamental. Et là, eh bien, les wahhabites, conduits par leur chef, par Abdelaziz, vont massacrer la population, profaner un certain nombre de sanctuaires. C'est dire qu'est la nature des liens ou des relations entre chiites et wahhabites. Hein. En 1803, eh bien, il va se tourner contre la Mecque, hein, et il va même s'emparer de la Mecque. Le shérif de la Mecque est obligé de s'enfuir en catastrophe jusqu'à Djeddah, le port établi sur la mer Rouge. Et à la Mecque également, un certain nombre de tombeaux sont profanés. La puissance des Saouds commence donc à s'étendre dans la péninsule arabique. Mais Abdelaziz va être assassiné à 83 ans par un rescapé du massacre de Kerbala, un chiite, hein, qui va venger en quelque sorte ses coreligionnaires après la prise de la ville sainte chiite par les Saoudiens. Alors, le fils prévu pour le succéder à Abdelaziz devient roi, poursuit les conquêtes, s'empare de Médine, l'autre ville sainte d'Arabie, s'empare de Taïf, envahit au sud du Hedjaz la région qu'on appelle l'Azir, encore plus au sud envahit le Yémen, poursuit ses conquêtes, s'empare de l'Hadramaout, c'est la région qui est riveraine de la mer d'Oman à l'est d'Aden, pousse même ses conquêtes vers l'est et s'empare de Bahreïn. Donc on le voit, au début du 19e siècle, une puissance nouvelle est en train d'émerger dans cette région incertaine, et ça paraît tellement extraordinaire, les succès remportés par Abdelaziz et son fils Saoud, que l'on pense même maintenant à une menace pesant sur les territoires de l'Empire ottoman, de Syrie et d'Irak. C'est tellement pris au sérieux même que Napoléon va envoyer l'un de ses agents prendre contact avec Saoud pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité d'établir une alliance de revers contre le sultan ottoman favorable à l'Angleterre, allié des Anglais. Mais les succès remportés par les Saoudiens ne durent pas, cet apogée ne dure guère, hein, parce que le sultan ottoman ne veut pas perdre l'Arabie et les lieux saints, donc il va tourner contre les Saouds. Le pacha d'Égypte, Mehmet Ali, qui a réussi à s'imposer en Égypte après que les Français eurent évacué le pays dans les toutes premières années du 19e siècle, Mehmet Ali va envoyer ses fils engager la conquête de l'Arabie avec la volonté d'éradiquer justement cette menace wahhabite. En 1812, Ahmed Youssoun débarque à Yanbu sur la côte de la mer Rouge. Il va s'emparer de Médine, il va s'emparer de la Mecque, au point même que Mehmet Ali, le pacha égyptien, va se rendre solennellement en pèlerinage dans la ville sainte en 1813. Et puis ensuite, très vite, la puissance saoudienne va s'affaiblir, parce que Saoud lui-même va mourir en 1814, et un autre fils
De même, Metali, Ibrahim Pacha, va intervenir à son tour en Arabie. Hein. Il va s'emparer de Daria, la capitale des Saouds. Il va la raser complètement après 6 mois de siège. Là, nous sommes en 1818. Abdallah Ibn Saoud, qui avait succédé à Saoud, va être fait prisonnier, expédié à Constantinople chez le sultan, qui va le faire décapiter. Alors, les Égyptiens vont quitter le Nedj, vont quitter cette région, à vrai dire peu accueillante, en 1819, et pensent qu'ils ont complètement éradiqué cette menace wahhabite qui avait pesé sur les lieux saints et déstabilisé quelque peu le Proche-Orient arabe. Mais les Saouds n'ont pas dit leur dernier mot. Un fils d'Abdallah, Turbi Ibn Saoud, va rétablir la capitale à Riyad. Il va être fait prisonnier par les Égyptiens, va réussir à s'enfuir et restaurer un semblant d'État dans le Nejd. Pendant tout le 19e siècle, cet État va connaître des hauts et des bas. Finalement, en 1892, les Saouds sont vaincus par un chef tribal, un émir du nord de la péninsule arabique, l'émir de Haïl, un certain Mohamed Ibn Rachid, et apparemment, c'en est fini pour eux. Et ils n'ont d'autre solution que de se réfugier auprès de l'émir du Koweït, Mubarak Ibn Salah, qui va les accueillir d'ailleurs et les assurer en quelque sorte leur sécurité. Mais en tout cas, l'affaire semble terminée une fois pour toutes. C'est compté sans les capacités de résilience et de réaction de la dynastie, puisque Abdelaziz III Ibn Saoud va relancer la conquête, va renverser la situation au profit de cette dynastie qui paraissait pourtant bien mal en point. Cet Abdelaziz III Ibn Saoud, c'est celui qu'a évoqué Benoît Méchain dans l'ouvrage admirable qu'il lui a consacré et qui a rencontré dans le public français un succès considérable dans les années 1950-1960. Ibn Saoud, en effet, va s'emparer de Riyad en 1902 dans le cadre d'un coup de main spectaculaire, particulièrement audacieux, ce qui va lui assurer le soutien des tribus guerrières d'Arabie centrale. Il va se proclamer roi du Nejd, repousser les Turcs en 1904, battre Ibn Rachid, qui avait vaincu sa famille en 1906, va restaurer le rigorisme religieux propre à la tradition wahhabite, va créer une armée redoutable, les Irwans, sorte de moines-soldats qui vont être l'arme de la conquête de la péninsule arabique et qui va rassembler comme ça près de 50 000 combattants, ce qui est évidemment énorme. Hein. Il va conquérir le Hassa, la côte du golfe Persique, soutenu d'ailleurs par la Grande-Bretagne ou plus précisément par l'Indian Office installé à Bombay et qui se préoccupe de tout ce qui se passe dans cette région, et contre l'Arabian Office installé au Caire qui soutient lui les Hachémites qui sont à la Mecque, hein, qui sont à la Mecque dans le Hedjaz. En tout cas, Ibn Saoud poursuit ses conquêtes, il s'empare de l'Asie en 1920, il s'empare du nord de la péninsule, le Jebel Shammar en 1921, et la menace sur le Hedjaz, sur les villes saintes, se précise, se confirme. Quand en 1924, le Turc Mustafa Kemal décide d'abolir le califat, eh bien, le shérif de la Mecque, Hussein, celui qui était lié aux Anglais, celui qui a reçu le soutien de Laurence d'Arabie durant la Première Guerre mondiale, le shérif de la Mecque prétend se proclamer calife. C'en est trop pour Ibn Saoud, qui va attaquer les villes saintes, s'emparer d'abord de Taïf, battre ses adversaires hachémites à Hadas, s'emparer de la Mecque et même du port de Djeddah en 1925. Et à ce moment-là, en 1926, il se retrouve roi du Nejd, du Hazza et de la Syrie. Il se proclame aussi roi du Hedjaz et finalement, en
1932, ça sera la proclamation du royaume d'Arabie Saoudite, hein, le seul État au monde qui porte le nom d'une dynastie, d'une famille régnante. Une Arabie Saoudite qui va jouer ensuite le rôle considérable que l'on sait au Proche-Orient du fait de son alliance avec les États-Unis, du fait de ses ressources pétrolières, hein, durant la guerre froide, mais surtout depuis les chocs pétroliers, avec des moyens financiers tels qui lui ont permis d'encourager tout un prosélytisme musulman wahhabite dont nous avons les résultats aujourd'hui. San Francisco, le 18 avril 1906. Il est 5h12 du matin et il y a un terrible tremblement de terre. Alors, bien sûr, San Francisco, la Californie, on sait que c'est sur la faille de Saint-Andréas, et c'est pas le premier, et ça sera pas le dernier. Il y en a eu en 1836, il y en a eu en 1868. Chaque fois, il y a des morts, hein. Pas beaucoup, parce que c'est quelques baraques en bois. Hein. La ville ne prend son essor que dans la deuxième partie du 19e siècle. 1892, un peu plus sérieux, et même 1905, quelques mois avant ce fameux 18 avril 1906. Alors, San Francisco, c'est une ville importante à l'époque, au début du XXe siècle. C'est la 9e ville des États-Unis, ce qui n'est pas mal, parce que c'est une ville récente. Évidemment, la ruée vers l'or a créé cette ville, qui n'était jusque-là qu'une sorte de dépôt pour des marchands de peaux, de fourrures, etc. Il y a eu des Russes qui sont venus, il reste encore Russian Hill à San Francisco, mais c'était tout petit. Et avec la ruée vers l'or, eh bien, ils arrivaient enfin au Pacifique, et c'était la porte vers l'Orient, c'était une ville qui s'est développée d'une façon extrêmement rapide et extrêmement élégante. C'était la ville la plus élégante, finalement, des États-Unis. 42 banques à l'époque, hein, c'est quand même énorme, pour 410 000 habitants, 5 journaux, donc les gens lisent beaucoup, les journaux locaux, il y a un opéra très important, Caruso y est ce jour-là, ça va d'ailleurs le traumatiser totalement, pauvre Caruso, il s'en remettra jamais. Il y a des théâtres, il y a une vie intellectuelle intense, et il y a même des restaurants français avec de la cuisine française et des chefs français. Et tout d'un coup, ce tremblement de terre au petit matin, 5h12 du matin, et on a un témoignage extraordinaire d'un vieil astronome qui s'appelle George Davidson, qui comprend tout de suite ce qui se passe, qui saute de son lit, et au lieu de sortir, de se mettre à l'abri, il commence à prendre des notes, il note l'heure exacte, il note combien de temps ça dure, il va noter les répliques, donc on a quelque chose de précieux et de scientifique sur le début de ce tremblement de terre. Et ça va être terrible, parce que bon, les maisons sont la plupart du temps en bois, donc pas trop de dégâts tout de suite, de morts vraiment liées aux immeubles qui s'effondrent, qui s'écrasent, mais il y a quand même des morts, mais surtout il va y avoir des incendies, parce que les conduites de gaz explosent, et on sait même très bien où commence l'incendie, parce qu'à 9h du matin, une dame qui voulait quand même avoir son café ou son thé ou se faire des crêpes allume le gaz et boum, tout explose. Et là, c'est toute la ville qui va prendre feu. Et l'incendie va durer des jours et des jours et des jours. D'autant plus que, au fur et à mesure que le feu se répand, il va y avoir des gens qui ont déjà contacté leur assurance, et ils savent que l'assurance dit « les tremblements de terre ne sont pas couverts par votre police d'assurance. Par contre, les incendies le sont. » Donc, il y a des tas de gens qui vont mettre le feu à leur maison en se disant « eh ben, comme ça, je trouve ça l'assurance. » Donc, catastrophique. Alors, que font les autorités? Parce que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Hein. Ça brûle. Alors, il y a un général extraordinaire qui s'appelle le général Frederick Fuston, et qui est un homme vraiment très intelligent, qui va prendre ça de façon militaire. D'abord, il va mettre l'armée au service de la ville, au service du maire,
qui s'appelle Eugène Schmitt, dont je vais vous parler, et il va dire, bon, on ne fait pas la loi martiale, d'accord, mais tout pillard pris sur le fait sera fusillé, sans autre forme de fossé. Il y aura quand même 500 morts ou blessés graves, ceux qui n'ont pas réussi à avoir du premier coup, 500 morts. Bon, et puis surtout, il va dire, on va faire des coupe-feu, c'est-à-dire qu'il fait sauter des quartiers entiers aux explosifs. Alors les gens ne sont pas contents, hein. Ceux dont la maison était encore debout et que l'armée fait sauter, ils ne sont pas contents du tout. Mais bon, c'était le moyen d'arrêter le feu, la propagation du feu. Quant au maire Eugène Smith, alors lui c'est un drôle de personnage, il a une quarantaine d'années et il est violoncelliste et violoniste et chef d'orchestre. Mais il est terrible. Hein. Et lui aussi, il va faire fusiller tous les pillards main de fer dans un gant d'acier. Hein. Donc les deux, quand même, dirigent la ville. Et ben, ça va aider, bien sûr, mais le maire va surtout décider qu'il ne faut pas que l'avenir de la ville soit plombé par ce tremblement de terre. Donc il va très vite prendre deux arrêtés. Le premier arrêté, il y a eu officiellement 478 morts. Point. Dû aux incendies, même pas aux tremblements de terre. En fait, il y en a plus de 3000, mais il ne faut pas le dire, c'est interdit. Et il ne faut pas parler de tremblements de terre. C'est interdit par un décret du maire. La ville a connu un incendie. Parce que tremblement de terre, ça peut recommencer. Ça veut dire que l'endroit est sur une faille, bien évidemment, et ça empêcherait les investissements. Donc, verboten, on ne parle que d'un incendie, sinon on a une lourde amende. Alors on a un témoignage très intéressant, c'est celui de Jack London, qui va écrire plusieurs pages que j'ai lues et qui est vraiment très intéressant, parce qu'il raconte comment les gens fuient et mettent dans des malles leurs possessions les plus précieuses, et puis partent à pied, parce que la plupart évidemment n'ont pas de moyens de transport. On a des films aussi qui montrent ces gens qui portent des lourdes malles, qui sont obligés de les abandonner. Et puis en plus, San Francisco, c'est des collines, donc ils grimpent sur des collines, ils arrivent en haut, l'armée leur interdit d'aller plus loin. Épuisés, ils finissent par enterrer leurs malles, essayer de repérer où aller, etc. Bon, c'est très intéressant comme témoignage. Et puis il y a un personnage, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est un certain banquier. Alors 42 banques, beaucoup de banques avaient des coffres-forts très costauds, ignifugés, en métal, bien protégés contre le feu, dans lesquels il y avait l'argent liquide, l'or, etc. Elles vont brûler, mais les coffres ne vont pas brûler, puisqu'ils sont prévus pour résister au feu. Simplement, ils vont mettre des semaines à se refroidir. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas les dégager, on ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas récupérer l'argent avant plusieurs semaines. Et puis il y a une petite banque italienne dirigée par un certain Giannini qui lui n'a pas les moyens d'avoir un coffre, donc il garde tout le liquide dans un placard, mais il n'est pas en première ligne du feu. Il a le temps de récupérer un cheval, une petite charrette et une cargaison d'oranges. Et il va mettre tout l'argent liquide qu'il a dans son placard sous les oranges et partir, pop, comme ça, discrètement. Personne ne va attaquer une cargaison d'oranges. Donc, il arrive à sortir de la ville. Il revient très vite, toujours avec le cheval et les oranges. Une table sur tréteau à l'endroit de sa banque. Il sort son argent et il dit aux gens, moi, je vous fais un prêt tout de suite pour rebâtir. Parce qu'il va y avoir beaucoup à rebâtir. Alors, ça sera bien organisé. Mais les gens ont besoin d'argent et l'argent des banques est inaccessible. Il n'y a que lui qui peut prêter de l'argent. Et il va tellement bien réussir que la banque Giannini va devenir la Bank of America, une des plus grandes banques du pays. À quoi ça sert? Un tremblement de terre, finalement. Et ben, tout de suite aussi, le maire et le général Fuston vont mettre des scientifiques sur le coup, et ça sera la première réunion des sismologues qui vont travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut prévoir cette... parce qu'ils savent bien, eux, que ça va recommencer, hein, c'était quand même 8,3 sur l'échelle de Richter, ce qui n'est pas rien, et la sismologie va faire des progrès fabuleux à partir de 1906, à partir de San Francisco. Et il y a une dame aux archives nationales qui travaille depuis les années 70 sur établir le nombre de morts à San Francisco.
officiellement 478 morts. En fait, ça ne comptait pas tout le quartier chinois, dont la ville voulait d'ailleurs se débarrasser. Donc le maire a tout fait pour que les Chinois ne reviennent pas. Ils sont un peu revenus quand même, hein. Il y a un Chinatown important à San Francisco. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Fisherman Wharf ou le Market Street sont construits sur des centaines de morts, des milliers de morts peut-être, qui ont été, c'était une crémation spontanée, hein. Et la ville est reconstruite sur ces morts-là, et elle est arrivée quand même à établir, elle en est à plus de 3300 morts actuellement, à qui elle veut rendre hommage. C'était le tremblement de terre de San Francisco, c'est pas encore the big one. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas de Lamberterie, qui est historien, qui a également été élève à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et qui est un spécialiste de l'Europe centrale, qui s'est intéressé très tôt à ces régions et plus particulièrement à la Hongrie. Alors pourquoi l'ai-je invité aujourd'hui ? Parce que nous sommes dans une période anniversaire. Hein, nous sommes en 2016, il y a tout juste 60 ans, hein, en octobre-novembre 1956, c'était l'insurrection de Budapest qui a profondément marqué les esprits à l'époque dans l'opinion française et notamment dans toute une génération de jeunes qui, dans ce contexte, vont découvrir les méfaits du système communiste, du système stalinien. Ça sera l'origine de beaucoup de vocations militantes, cette insurrection hongroise. Alors nous allons en parler à plusieurs reprises. Recevrai à notre émission Henri-Christian Giraud, qui réédite l'ouvrage qu'il a consacré à l'événement. Mais aujourd'hui, nous ne nous pencherons pas sur 1956, nous allons revenir en arrière pour parler de la Hongrie au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est un pays qui va être extrêmement éprouvé à l'issue de ce conflit, qui va connaître une tentative révolutionnaire, qui va être accablé par les alliés avec le fameux traité de Trianon. Donc il est utile de revenir sur cette histoire et de rendre hommage à la Hongrie qui est une grande nation européenne, héritière d'une histoire millénaire et un pays qui de plus, cela ne vous aura pas échappé chers téléspectateurs, a tout pour nous intéresser aujourd'hui, a tout pour que nous le trouvions très sympathique du fait de la politique mise en œuvre par son Premier ministre Viktor Orban, universellement détesté par les médias du système, ce qui est a priori un bon signe et veut tout simplement dire que ça doit être quelqu'un de très bien. Alors, pour en venir à la Hongrie des lendemains de la Première Guerre mondiale, quelques rappels. La Hongrie, à l'époque, fait partie de l'Empire Habsbourg. Je rappelle un certain nombre de points. En 1867, a été établi entre Allemands et Hongrois le compromis austro-hongrois qui a divisé l'Empire Habsbourg, l'Empire d'Autriche en Cislaétanie et Translaétanie, hein, et les deux nationalités en question dominent à parts égales en gros sur le plan territorial cet ensemble que constitue l'Empire Habsbourg. Hein. Ça pose un certain nombre de problèmes parce que aussi bien du côté de la Cislaétanie autrichienne que du côté de la Translaétanie hongroise, il y a des minorités slaves, hein, les Tchèques par exemple d'un côté ou les Slovènes, les Croates par exemple ou les Roumains d'un autre côté, mais un équilibre a été trouvé après la guerre, après la tentative d'insurrection, après la tentative de révolution de 1848, un équilibre a été trouvé ainsi entre les deux nationalités. Et cet empire d'Autriche-Hongrie, il se retrouve emporté en 1914 dans le grand conflit européen qui va devenir rapidement la Première Guerre mondiale. Hein. Un conflit à propos duquel, au départ, il faut le rappeler, les Hongrois sont un petit peu sur la réserve, hein, parce que une victoire contre la Serbie à l'été 14, c'est ce qu'attend plus ou moins tout le monde, ça voudrait dire que l'on augmente éventuellement la part de l'élément slave
grave dans l'Empire, ce que ne souhaitent pas les Hongrois, qui ont déjà affaire avec un certain nombre de minorités qui réclament la reconnaissance de leur identité particulière. Toujours est-il que la guerre va se prolonger, on le sait, pendant 4 ans et plusieurs mois à l'issue, 4 ans et 3 mois, oui c'est ça, et que la Hongrie va faire partie à ce moment-là du camp des vaincus. Le 3 novembre, c'est l'armistice qui est signé entre l'Empire austro-hongrois et puis l'Italie. C'est la sortie de la guerre. La révolution va éclater à Vienne, elle va éclater également à Prague, elle va éclater à Budapest. L'Empire des Habsbourg va se fragmenter, va se morceler très rapidement. Alors, qu'en est-il dans ce contexte précis de la Hongrie, Nicolas de Lamberterie ? Bonjour à vous, merci de votre invitation. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre par rapport aux différentes révolutions qui vont avoir lieu dans la Hongrie d'après la Première Guerre mondiale, c'est que la Hongrie d'avant la Première Guerre mondiale est un pays relativement archaïque dans sa structuration sociale. Mmh. On est resté sur un mode extrêmement féodal. Le droit de vote est extrêmement restreint. L'industrialisation n'a pas été… – C'est un système censitaire. – Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Mmh. Il n'y a même pas 10% des hommes, les femmes sont exclues à cette époque du suffrage, mais même je crois, 10% des hommes qui sont en droit de voter. Mmh. Et on a une structure extrêmement féodale de la société qui s'explique par un certain nombre d'événements, puisque l'occupation ottomane qui a précédé pendant presque 2 siècles en Hongrie a fait que ce pays, ainsi que ses voisins en demeurant dans les Balkans, ont connu un retard de développement, là où le reste de l'Europe a connu la Renaissance et un certain nombre d'évolutions économiques et sociales que n'a pas connu la Hongrie. Et la Hongrie était un petit peu la partie agricole de l'Empire. Et c'est d'autres parties, bon, on pense par exemple à la Tchéquie, qui était plus industrialisée, davantage industrialisée. Et donc on a une société relativement féodale. Et c'est évidemment quelque chose de propice à un certain nombre de revendications classé de gauche ou de type un peu révolutionnaire. Par exemple, pendant la guerre, celui qui va jouer un rôle très important à partir de octobre-novembre 18, le comte Károly, avait demandé que le droit de vote soit octroyé aux vétérans de guerre qui avaient combattu sur le front. Et c'est une revendication qui peut sonner tout à fait légitime, qui a été bloquée par les conservateurs, par le comte Tisza, qui était l'homme fort de la Hongrie à cette époque. Oui. Et donc il va y avoir un certain nombre de tensions autour des questions sociales, de l'organisation de la société, du fait qu'elle est peu démocratique. Et ça va amener progressivement à l'augmentation de l'influence du comte Károly, qui est très à gauche, qui est encore relativement minoritaire à l'époque. On a une situation pré-révolutionnaire, à la fin de la guerre, en fait. Tout à fait. Et ça bascule très rapidement à l'automne 1918, en octobre-novembre, puisque des soldats insurgés assassinent le comte Tisza. Voilà, Tisza, qui était l'homme fort donc, en Hongrie pendant la guerre, il est assassiné juste à l'issue de celle-ci. Le 31 octobre 1918, chez lui, devant sa femme. Voilà. Et avant même la signature de l'armistice. Avant même la signature de l'armistice. Et donc cette situation crée un chaos assez rapidement. Le comte Károly parvient à se faire nommer Premier ministre par l'empereur. Charles. Oui, qui est le pauvre empereur Charles qui contrôle plus grand chose. Qui contrôle plus grand chose. Ouais. Et assez rapidement, Károly fait le choix de proclamer la République. Et donc, de fait, l'indépendance de la Hongrie. Ouais. Parce que, au-delà des aspirations socialistes du comte rouge, comme on l'appelait, on l'a aussi appelé le Kerensky hongrois. Voilà, c'est l'expression qui résume bien ce qu'a été son rôle, en fait. Oui, hein, le Kerensky hongrois. Je rappelle pour nos téléspectateurs que Alexandre Kerensky en Russie a été dirigeant du gouvernement provisoire qui est issu de la révolution de février et qu'il va être balayé ensuite par les bolcheviques en octobre 1917. – Voilà, et donc le comte Károly, qui était connu comme étant relativement francophile au demeurant, et proche de l'entente, qui était assez hostile aux empires centraux, à l'espoir en fait, en prenant le pouvoir à Budapest en novembre 1918, de parvenir à négocier une bonne paix séparée. C'est ça. C'est-à-dire en disant la Hongrie n'était pas
tellement partie prenante, elle a été embarquée dans ce conflit, et essayer de négocier une paix séparée à peu près correcte avec les, avec les alliés, puisque vous aviez l'irrédentisme de, des minorités nationales, en particulier roumaines et serbes. Les Slovaques, c'est un petit peu différent à mon sens, mais en tout cas du côté roumain et serbe, il est clair que les minorités roumaines en Transylvanie regardaient de l'autre côté des Carpates vers la Roumanie, et que les minorités serbes dans le sud de la de l'ancienne Hongrie regardaient vers la Serbie. Ça, c'est une réalité. Et donc l'espoir de Karloïs, c'est de parvenir à maintenir la cohésion, ou en tout cas une intégrité territoriale, et au moins partielle, de son pays. – Faire valoir que la Hongrie ne doit pas être associée, finalement, au bout du compte, à la défaite de Vienne, puisqu'elle va chercher à se poser en victime aussi. On a d'autres cas du même genre. Les Croates, par exemple, ils veulent échapper aussi au système habsbourgeois, parce qu'ils ils espèrent comme ça échapper à la défaite et avec, à tout ce qu'elle comporte. Hein. Oui. On verra quelque chose d'un peu équivalent en Bavière aussi, en Allemagne par rapport à Berlin. – Tout à fait. Et donc, le comte Károly, malheureusement, a des espoirs, malheureusement pour lui, en tout cas, il a des espoirs qui sont rapidement douchés, puisqu'il il va à Belgrade pour négocier un premier armistice, ou plutôt cessez-le-feu plus exactement, avec les forces serbes, et il va le négocier avec un général français. Français des prêts. Voilà, qui va le recevoir très, très, très mal, très froidement. Et lorsque Concarlo y arrive, le général français lui dit: mais vous, vous êtes qui? On a déjà signé un armistice avec, avec l'Autriche-Hongrie, donc vous venez au nom de quoi? Et Károly lui dit: ben, cher monsieur, on vient au nom du gouvernement hongrois, il y a une révolution. Et là, le général français lui répond tout de suite: vous êtes déjà tombé si bas. Donc les espoirs sont assez rapidement douchés. Et il y a toute une, en fait, il y a toute une série de lignes de démarcation provisoires qui sont établies avec ce qui va former par la suite la petite entente. Donc au sud, il y a les forces franco-serbes qui occupent l'armée d'Orient de Franche et des Prés. Voilà, qui occupent en fait la, le sud de ce qui va être l'ancienne Hongrie jusqu'à Szeged, assez au nord. Les Roumains, qui ont des troupes relativement fraîches, puisqu'ils n'ont fait… – Ils n'ont pas beaucoup combattu. – Ils ont, comme Clémenceau disait, ils confondent la guerre et la course à pied. Les Roumains, ont, si mes souvenirs sont exacts, ont déclaré la guerre aux empires centraux en août, 1916. Oui. Et ils sont assez rapidement battus par les armées allemandes. Ouais, – ils sont écrasés par les forces austro-allemandes et bulgares dès l'automne 1916. – Voilà, et à la fin de l'année 1916, c'est terminé. Mais du coup, ils ont des troupes relativement fraîches, qui n'ont pas beaucoup combattu par rapport à d'autres armées qui sont épuisées. Et donc les Roumains aussi avancent progressivement. Et il y a également une ligne de démarcation qui est fixée au nord avec les Tchèques. Et donc, et si vous voulez, l'idée de ce qui va former par la suite les États de la Petite Entente, c'était de prendre déjà un certain nombre de garanties sur les annexions territoriales qu'ils désiraient avoir. – Voilà, pour pouvoir négocier en position de force au moment de la conférence de la paix. – Tout à fait. Et donc, le comte Károly va essayer de se débattre au milieu de tout ça avec une Hongrie qui se réduit en plus de mois en mois avec les avancées successives des occupations à ce moment-là provisoire, des Roumains, des Serbes et des Tchèques. Et il va essayer de mener une réforme agraire, puisqu'à l'époque, en Hongrie, par exemple, les domaines agricoles étaient gigantesques et étaient toujours transmis aux fils aînés. C'était la caste des magnats, les grands propriétaires terriens. Voilà, et les autres n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient pas le droit de vote, ils étaient propriétaires de pas grand-chose, peut-être d'un petit lopin de terre, mais ça posait de véritables problèmes dans une nation très paysanne. Et il va lui-même distribuer ses propres terres, à titre d'exemple, mais il va être confronté à deux problèmes. Un problème interne, c'est l'infiltration progressive des bolcheviks au sein des formations sociales-démocrates qui vont le dépasser de plus en plus par la gauche. Et le problème externe qui va amener au terme de son règne, à savoir en mars 1919, un nouveau recul de la Hongrie est demandé jusqu'à la rivière Tissa, parce que les projets d'annexion roumains initiaux voulaient aller jusqu'à la Tissa, donc même aujourd'hui, si ça avait été le cas, par exemple, même la grande ville de Debrecen aujourd'hui serait en Roumanie. Et donc, ça, c'est inacceptable, c'est de plus en plus inacceptable pour les Hongrois. Et Károly choisit de démissionner. Et alors là, il y a eu un débat historique qui n'a jamais été tranché au demeurant, puisque les bolcheviks
on produit, selon Karoui, un faux, où Karoui confie le pouvoir aux soviets, et Karoui a toujours démenti en disant que c'était un faux document, qu'il avait démissionné, mais qu'il n'avait pas prévu de confier le pouvoir à Belakoun et à ses collègues. Et donc, c'est ce qui va amener, en mars 1919, à l'instauration d'un régime bolchevique. – Donc, ce malheureux Karoui, il n'a pas compris quel était le rapport des forces à l'issue de la guerre et que la Hongrie n'avait absolument pas la, la liberté de manœuvre qu'il pouvait espérer. – Non, pas du tout. Il a espéré que par ses relations et ses positionnements, il parviendrait à obtenir satisfaction. Voilà, il a suscité beaucoup d'espoir en Hongrie, parce que s'il avait réussi, il eût été acclamé. Et comme il a échoué, qu'il a donné des garanties aux alliés, qu'il a désarmé les, les forces armées hongroises, etc., il a démobilisé un certain nombre de troupes, ben, après coup, il a été identifié comme un traître, comme un personnage honni de l'histoire. Bien sûr, oui. Alors pour l'anecdote, pour en terminer avec le comte Karoui, il y avait une statue de, du comte Karoui à Budapest, près du Parlement, jusqu'en 2012-2013. Jusqu'en 2012, ah oui. Oui, tout à fait, qui avait été mise en place dans les années 60 sous le régime de Kadar. Ah oui, sous le régime communiste. Voilà, le régime communiste de Kadar a reconnu Karoui comme un personnage honorable, et sa statue était restée en place après le changement de régime en 89-90. Et c'est peut-être la revanche un peu du comte Tissa. Donc récemment, donc tout ça a été organisé par le maire Fidesz de Budapest, qui est du même parti que le premier ministre Orbán. Ils ont construit une immense statue du comte Tissa. Ah oui. Et la statue du comte qui était déjà beaucoup plus modeste au demeurant, du comte Karoui, a été transféré à Siófok, dans une petite ville près du Balaton. C'est ça. Donc la statue de Karoui à Budapest n'est plus. Mais bon, elle existe encore, on peut aller la voir au lac Balaton. Ouais, ouais. Mais voilà un peu comment a fini le comte rouge. Oui. C'est tout à fait, l'expression de Kerensky hongrois, elle est tout à fait fondée, là, on le voit bien, parce qu'il y a une volonté, effectivement, de faire en sorte que la Hongrie puisse se tirer au mieux d'une situation difficile, mais il y a une sous-évaluation des rapports de force puis des intentions des acteurs face auxquels ils se trouvaient, notamment les alliés, qui clairement voulaient jouer la carte tchécoslovaque, la carte yougoslave, et pour lesquels la Hongrie effectivement devait être carrément dans le camp des vaincus. La Hongrie qui était considérée comme partie prenante dans la double monarchie austro-hongroise, double monarchie que l'on accusait de constituer une prison des peuples. C'était le terme, évidemment, qui était retenu en Europe occidentale. – Les Croates ont changé d'avis entre les deux guerres, au demeurant. – Oui, alors, mais oui, parce que ce qu'il faut rappeler quand même pour nos téléspectateurs, c'est que ces nouveaux États que l'on a créés, eh bien, ils ont reproduit exactement les défauts que l'on reprochait à la monarchie austro-hongroise. La cohabitation entre Croates et Serbes, entre Tchèques et Slovaques, n'a pas été une réussite. Et à la fin du XXe siècle, tout cela a disparu de l'horizon européen. Alors, Karoui donc est maintenant hors jeu, et on va avoir une séquence là tout à fait inattendue en Hongrie. C'est une révolution bolchevique qui va durer quelques mois. 133 jours. 133 jours, voilà. Pour rappeler un peu ce qu'était la Commune de Paris en son temps, quant à l'importance que ça représente dans le temps, et qui va laisser des traces tout à fait considérables, parce que ça va être une révolution communiste tout à fait dévastatrice. Oui. Qui en est le leader, qui en est le chef, l'acteur principal. Voilà, ce Belakoun, on connaît son nom évidemment, mais qui est-il, d'où vient-il? Et comment s'est-il retrouvé à être le leader de ce mouvement révolutionnaire ? Alors, si mes souvenirs sont bons, il a été fait prisonnier, en fait, dans les armées russes. Et c'est à partir de là, c'était déjà un militant social-démocrate. Il a été fait prisonnier, comme beaucoup de gens qui ont été faits prisonniers par les armées russes, à partir du moment où la Russie s'est, étape par étape, disloquée tout au long de l'année 1917, il s'est radicalisé, il s'est rallié au bolchevisme, et ensuite il s'est forcé d'aller développer le bolchevisme dans son pays natal. – On l'a renvoyé comme agent en Hongrie, nous sommes quelques mois après la création de la Troisième Internationale,
du Comintern qui se donne comme programme à l'époque de faire la révolution dans toute l'Europe dans la foulée de la guerre. – Oui, ce qui n'a pas été loin de réussir au demeurant. – Bah, dans certains pays, on a le cas de la Hongrie, on a le cas de la Bavière voisine également. Hein. – Parce que sans intervention extérieure, il n'est pas certain que ce régime aurait… Ouais. Se serait effondré de lui-même, ça reste vraiment à discuter. Parce qu'il reposait quand même sur une base sociale réelle, au moins dans les villes. Au moins dans les villes, après ça a été une période tellement chaotique, parce que vous voulez, c'est un peu comme la révolution bolchevique en Russie, il y a tellement d'acteurs, puisque donc il y a des forces étrangères, il y a forcément une base. Tout régime, aussi détestable soit-il dans l'histoire, aucun régime n'existe sans avoir au moins une petite base sur laquelle s'accrocher. – Sur laquelle s'appuyer. – Ou alors, faut me citer des exemples, mais même l'URSS de Staline avait forcément des bases sur lesquelles s'appuyer. Donc il en va de même pour la Hongrie de Béla Kun. – Mais cette Hongrie, elle n'avait pas une classe ouvrière très importante par rapport à ce qu'est le schéma marxiste-léniniste. Non, mais ça, on s'appuie. Mais comme en Russie. Comme en Russie, d'ailleurs. La Russie, selon les prévisions de Marx, c'est en Allemagne qu'aurait dû produire la révolution communiste. Ben, Lénine pensait que ça allait arriver en Allemagne, d'ailleurs. Il s'apprêtait à transférer la capitale de la révolution à Berlin si le spartakisme avait triomphé. Donc ça s'est appuyé aussi sur les masses paysannes, en tout cas sur des revendications paysannes qui avaient été déçues. Et donc le régime de Béla Kun a été relativement sanglant, puisqu'il s'appuyait notamment sur un personnage assez sinistre qui s'appelle Tibor Samueli, qui était le responsable des gars de Lénine. Et donc c'était des brigades de voyous qui allaient de ci, de là en ville ou dans les villages pour pendre haut et court ou zigouiller toutes les personnes identifiées comme les ennemis du régime. Ouais. Alors dans ces périodes extrêmement troubles, comme toutes les périodes troubles, l'autorité de l'État n'est plus assuré. Il y a une période de terreur qui va durer plusieurs mois. Donc. Plusieurs mois. Et alors, il va y avoir aussi, ça c'est quelque chose qu'on connaît moins, une période militaire pour ce régime bolchevique, qui ne va pas se contenter uniquement de faire des réformes en interne, etc., qui va aussi remettre sur pied l'armée. Alors, ce qui est extrêmement drôle, évidemment, c'est que toutes les révolutions de type un peu communiste, socialiste, bolchevique, etc., se sont toujours appuyées sur les revendications sociales. Je vous parlais tout à l'heure de cette histoire de droit de vote pour les vétérans de guerre. Et ce qui est très drôle, c'est que dès qu'ils prennent le pouvoir… Comme maintenant ils gouvernent au nom du peuple, eh ben, tout de suite on remet la conscription obligatoire, les punitions pour les soldats qui n'ont pas obéi à leurs officiers, etc. Toutes choses sur lesquelles ils se battaient pour conquérir le cœur d'un certain nombre de personnes. Et donc ils remettent en place une armée, ils récupèrent les anciens officiers et ils partent dans des aventures militaires un peu folles. – Mais qui va remporter d'ailleurs quelques succès ponctuels, cette armée révolutionnaire. – Donc l'armée révolutionnaire hongroise a défait les Tchèques, qui n'étaient pas encore très structurés, parce qu'il n'y avait pas encore réellement d'État tchèque, puisque tout ça est issu de la dissolution de l'Autriche-Hongrie. Il faut rappeler, là nous sommes au printemps 19, donc il y a quelques mois seulement que la guerre s'est terminée, on est en pleine conférence de la paix à Paris, donc c'est une période extrêmement mouvante, extrêmement floue. – Il y a encore la révolution bolchevique en Russie, il y a l'élection américaine qui se profile avec un retrait partiel des Américains dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui se passe. Et donc les Hongrois, l'armée rouge hongroise défait les Tchèques, reprend Kosha, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Košice, qui est la deuxième ville de Slovaquie, va remonter jusqu'à Eperjes, qui est vraiment quasiment à la frontière polonaise. Donc ça va être vraiment un succès considérable pour les armées rouges hongroises. Par contre, à partir du moment où ils choisissent d'attaquer la Roumanie, là ça va se passer beaucoup moins bien, parce que la Roumanie est un État relativement structuré, a des troupes relativement fraîches, et la Roumanie, de surcroît, bénéficie du soutien logistique de l'armée française. Donc ils sont mieux équipés, mieux organisés, etc. Et là, les armées hongroises sont défaites. Ça va se terminer d'ailleurs par l'occupation de Budapest par les armées roumaines au mois d'août 1919, ce qui va provoquer la fin du régime bolchevique hongrois. Tibor Samueli sera assassiné,
Et Bela Kun va se réfugier. Il se réfugie en Russie soviétique, ouais. Et il sera purgé à la fin des années 30. Oui, voilà, il sera comme le camarade Staline. Comme beaucoup de sa génération, voilà. Il disparaîtra dans la tourmente des purges staliniennes. Tout à fait. D'accord. Et alors, donc les Roumains sont installés maintenant à Budapest. Alors, quel va être l'épisode suivant ? Pour que la Hongrie retrouve un semblant de stabilité, pour qu'un État se rétablisse. Toute la difficulté, alors là j'invite nos téléspectateurs, s'ils arrivent à se procurer ce livre, qui mériterait d'être réédité, peut-être un jour, les Mémoires de l'amiral Horthy, parce que toute la difficulté, il n'y avait pas que des bolcheviques hongrois, il y avait aussi des contre-révolutionnaires, mais toute la difficulté des contre-révolutionnaires qui étaient basés à Orod et à Szeged a été de se faire reconnaître comme autorité légale ou au moins partiellement légale par les alliés, puisque tout dépendait des alliés qui tiraient l'ensemble des ficelles. Donc pendant en fait un certain temps, les armées roumaines vont occuper Budapest. C'est d'ailleurs un général américain qui a empêché le pillage intégral du musée du château de Budapest, ce général Bandholtz, qui a d'ailleurs toujours une statue devant l'ambassade des États-Unis à la place de la Liberté à Budapest. Et donc, il y a déjà un gouvernement contre-révolutionnaire qui existe depuis le mois de mai, qui est à Szeged, à proximité de la zone française d'occupation militaire, franco-serbe. Et en fait, ils vont mettre plusieurs mois à se faire reconnaître par les alliés. Et ce n'est qu'au mois de novembre 1919 que les armées contre-révolutionnaires hongroises, conduites par l'amiral Horthy, vont entrer dans Budapest. C'est ça. Alors là, je renvoie à l'ouvrage de Jean-Paul Bess, publié aux éditions Via Romana, à propos de l'amiral Horthy, qui est un ouvrage récent qui remet bien les choses au point sur cet épisode de l'histoire hongroise. Merci beaucoup, Nicolas de Lamberterie, pour ces précisions et ces différents éclaircissements à propos de l'histoire de la Hongrie dans une période qui fut pour elle extrêmement compliquée, puisque ça va se terminer avec le désastreux traité de Trianon. Oui. Merci.